Donc là, les maths, ça me fait penser à une reconversion dans la MMA. L'épreuve de maths, c'était assez chaud. Franchement, j'ai fait 5 questions, mais c'était compliqué. Hier, ça allait. Le français, bon, moi, je suis un peu un littéraire et tout, donc ça s'est bien passé. Je t'avoue que là, les maths, ça me fait penser à une reconversion dans la MMA. C'est Ouais, compliqué. je t'avoue que le sujet de maths, en vrai, il était très tendu cette année. La préparation a été un peu miteuse, on va dire. Mais bon, Ouais. c'est entre les mains de Dieu. On verra. Bah, déjà, je crois que c'était une journée spéciale parce qu'on a eu deux épreuves assez courtes, donc l'anglais et la chimie. T'as pas le temps de faire grand-chose, enfin, de travailler sur ton brouillon, tu dois juste tracer. Ouais, les sujets sont très très longs par rapport à ce que tu es capable de faire en 1 heure et demie. Donc, faut vraiment juste parfois abandonner, passer à la suite et aller très vite. Donc, ça fait bizarre parfois, on a l'impression d'avoir totalement raté alors qu'en fait, bah, peut-être pas autant que ça. J'ai aussi passé XENS. Je sais que j'ai pas trop le niveau pour aller à l'X, mais c'était surtout pour me mettre en jambes et pour pas être déstabilisée à la semaine de CCP. Et ça a plutôt bien marché, donc ça va. J'aimerais bien télécom, cette année ça va être compliqué, mais... Pour ma part, j'ai pas d'objectif précis en fait. Je vais voir ce que j'aurai cette année. J'ai peut-être un penchant pour les écoles plus informatiques ou généralistes, mais d'un point de vue général, j'ai pas une école précise. Ouais, l'X. Bah, Alix, hein. L'X. Ouais, je vais faire un petit tacos après là. Faut bien Alors manger. moi, je pense que je vais faire au moins deux semaines où je vais aller m'entraîner. Parce que, bon, les études c'est bien, mais l'entraînement c'est mieux. On va retourner à la bagarre. Et après, on fera un petit camp de peut-être une semaine avant les euros, parce que le travail il a été fait. Mais on est confiant. Pour moi, en tout cas, j'ai bah, finir mon TIPE pour le présenter à mes professeurs en prépa. Donc le week-end, je dois directement travailler sur ça. Moi, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine d'après que je dois passer mon TIPE devant mes professeurs. Sauf que bah, je vais quand même devoir m'y mettre très vite parce que j'ai beaucoup de choses à faire encore. Bah, je crois que c'est pareil pour toi, mais en gros, nous à Saint-Louis, on reprend directement après. Pardon. Donc, parfois, il y a une semaine de pause. Mais en tout cas, en fait, on reprend avec ACAS tous ensemble dans le but de préparer les oraux. Et donc là, on va avoir donc 5 et 4 semaines de cours avec notre classe pour bah, justement que personne ne te détache et ne fasse rien pendant 4-5 semaines, ce qui serait vraiment problématique pour la suite. Et donc, pas beaucoup de temps pour se reposer, malheureusement.